Les enfants de Mekambo n'ont pas été en marge de la fête de la Nativité. La présence du Père Noël le 25 décembre dans leur région les a surpris. Invités par le Cercle de réflexion des enfants de la Loé, une fondation de Franck Atabi Bokamba, l'homme à la barbe blanche a fait un grand nombre de jeunes heureux. C'est l'arbre de Noël. On a essayé d'animer un village Noël ici, dans le plus grand quartier de Mekambo. Il s'agit tout simplement de distribuer des cadeaux à chaque famille de Mekambo et tous les cantons. Venus des différents villages de la localité, les enfants ont reçu plusieurs jouets. Le social ouvre beaucoup de portes dans la vie. Sans le social, vous ne pouvez rien faire. Vous serez renfermé chez vous et puis vous n'aurez pas d'amis, vous n'aurez pas de parents qui vont vous côtoyer. Mais quand vous êtes simple, quand vous êtes ouvert, vous verrez que Dieu vous ouvrira davantage de portes. Pour le moment, c'est juste l'entraide que je prône tous les jours. Comme son excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui ne cesse de prôner cette politique du social de l'entraide. Quand vous avez un peu, pensez à donner aussi aux autres. Visiblement satisfaits, les parents ont reconnu la bonté des bienfaiteurs. Les parents diminués comme nous autres, on n'a pas les moyens de pouvoir donner des cadeaux à nos enfants. Aujourd'hui, ce jeune homme fait des choses extraordinaires dans notre localité. Je ne travaille pas, mes enfants n'ont pas eu de cadeaux. Mais quand le petit a mené cette activité, en tout cas, vraiment, ça m'a soulagé. Je n'avais pas de moyens pour acheter les cadeaux. Mais comme il a amené cela, en tout cas, je lui remercie. C'est ma première fois de voir Yaki M. Bokamba. Nous avons des élus locaux. Nous avons des cadres, je ne l'ai jamais vu. La fête s'est poursuivie en soirée avec la prestation de Katia, une artiste tradie moderne.